Nous voici à la chapelle de Notre-Dame de Liesse à Maubran pour cette troisième vidéo consacrée aux lieux sacrés en Bretagne. Petite chapelle magnifique dans un petit village pittoresque. Vraiment une merveille. Ce lieu sacré, bien sûr, protégé, hein, vous ne pouvez pas rentrer dedans sans avoir demandé l'accès à un gardien. Heureusement d'ailleurs, parce que dedans il y a des merveilles qu'il faut vraiment maintenir le plus possible. Protéger le plus possible. Vous avez la Vierge à l'enfant là-haut, qui date du XVIIIe siècle. Un magnifique maître-autel, pareil, du XVIIIe siècle. C'est vraiment une merveille. Très très jolie chapelle. À la clé, je vous dis pas, la clé énorme. Beaucoup de lumière, je suis désolé, mais une magnifique coque retournée pour la toiture, pareil, qui a été refaite au XVIIIe siècle. Vraiment un endroit fabuleux, fantastique. Après, je vais vous lire un petit texte consacré à la mythologie celtique. Je vais m'asseoir pour ça. Lorsque mythe et symbole se rejoignent. Maubran était aussi appelé autrefois Montbran par les habitants du village. Peut-on parler du Mont de Bran? Quelques pistes nous y invitent, par exemple en interrogeant le ciel et les constellations. Face au côté droit de la chapelle, c'est-à-dire face sud, apparaissent dans le ciel de nuit, au milieu de printemps, trois constellations en position remarquable. Le corbeau, en breton et gallois Bran, animal sacré dans la mythologie celtique, attribut du dieu suprême Lugh ou Esus. Le corbeau est une divinité ambivalente entre la clarté et les ténèbres, entre la vie et la mort. Dans la mythologie galloise, Bran est un géant, divinité de l'autre monde, maître de la vie et de la mort par sa possession du chaudron d'abondance et de résurrection. La Vierge, divinité féminine représentant l'origine de la vie, chez les Celtes, on peut la comparer à Anna, déesse mère primordiale. La coupe, le mythe et la coupe est liée à celui de l'eau, celle-ci étant considérée comme l'élément primordial de la vie chez les Celtes. Vierge, corbeau, coupe, c'est le symbolisme de la vie qui est ici représenté. L'eau est un élément fondamental de la vie, le corbeau est l'ordonnateur entre la mort et la vie, la Vierge est la matrice de cette vie. Cette trilogie mythique est ici parfaitement illustré par la présence de la chapelle dédiée à Notre-Dame de Sainte-Liesse, le mont de Bran et la fontaine. Ce symbolisme est la vie, renforcée par la position des trois constellations sur le flanc droit de la chapelle. La tradition celtique veut que l'on présente son flanc droit en guise de paix, de vie. Voilà. Petit texte qui, j'espère, vous plaira. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce levé, puis à mettre des commentaires si vous avez apprécié. À bientôt !